Hello, bienvenue dans ce HIIT. Comme d'habitude, on fait un petit échauffement ensemble. Donc, le premier, ce sera le squat sauté. Comme c'est l'échauffement, on commence d'abord hop, en bas et on monte. On monte sur la pointe des pieds. Voilà. Et puis progressivement, donc on va souffler, monter. Souffler, monter. D'accord, c'est ultra mini comme échauffement. Donc, si vous savez faire un petit quelque chose en plus, c'est pas mal. Pas faire ça au saut du lit sans échauffement. Okay, donc le premier, c'est squat sauté. Le deuxième, c'est les pompages. À la fin du programme, vous saurez faire les pompages merveilleusement. Donc, les pompages, comme d'habitude, je préconise de garder les genoux au sol parce que c'est déjà vraiment costaud de faire avec les jambes tendues, surtout pendant 30 secondes. Donc, on garde les genoux pour être sûr de garder une bonne position au niveau du dos et un bon placement au niveau du ventre. Ensuite, ce sont les fentes alternées. On les a déjà faites aussi. Donc moi, j'aime mieux partir en arrière, c'est moins traumatisant pour les genoux. Donc, hop, jambes loin derrière, on descend, remonte. Loin derrière, tension au placement du dos, remonte. Loin, descend, remonte. Ok, donc ça, on le fera évidemment plus rapidement. Ok, ensuite on va au sol à nouveau. Hop, pour le Superman. Alors celui-ci, on va essayer de le monter, descendre. Attention à ne pas tomber dans le piège, essayer de monter trop haut. Ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas monter super haut en pliant le bas de votre dos. Je place d'abord mon bassin. Hop, je pousse le pubis dans le sol. Et ce que je vais faire, c'est des petits mouvements comme ça. Petits mouvements. Ok ? Même si vous décollez vraiment de quelques centimètres, c'est vraiment pas grave. De toute façon, la contraction va se faire. Ce qu'il faut éviter, c'est de raccourcir la chaîne. Ok, donc ici, la chaîne postérieure, donc votre dos. Et ensuite, on termine par du gainage sur les avant-bras. Donc, je serai dans cette position-là. Je vais repousser sur les genoux et décoller. Si c'est trop difficile pour vous, vous sentez que pour le dos, ça ne va pas. Et bien, après le Superman, vous repoussez les fesses en arrière et vous faites comme on a chaque fois fait ensemble, descendre à votre rythme. Ok ? On prend notre timer et c'est parti. Ok, on a mis le chrono. Hop, comme on a fait l'autre fois, 30-10, 4 tours. Je l'ai déjà un petit peu corsé la fois passée, donc on le fait en fait le même que le corsé qu'on avait fait la fois passée. D'accord, donc le premier c'était squat sauté. Hop, soit on y va mollo parce que c'est le premier tour et qu'on n'a pas eu le temps de bien s'échauffer, soit on est déjà bien échauffé et on y va direct. Alors, si vous sentez que vous grillez au niveau de vos cuisses trop vite, vous faites par exemple 3, c'est ce que je fais avec ma fille, donc je fais 3, puis hop, je saute. 1, 2, 3, saute. 1, 2, 3, saute. Comme ça, ça permet d'alterner, hop, sans griller trop vite. Ensuite, c'était les pompages. On va au sol. C'est parti. Voilà, vérifie le placement du bassin. Alors les épaules ne montent pas, d'accord? On essaie de vraiment uniquement plier les coudes. J'insiste chaque fois, je sais que de l'extérieur c'est pas super fort, mais j'insiste chaque fois sur le fait qu'il vaut mieux fléchir peu et garder vraiment le corps rectiligne. Fente alternée. Pied droit loin derrière. Gauche. Droite. Gauche. On garde le buste bien étiré. Le ventre rentre. Oups. Accélère et on descend. Superman au sol. Donc cette fois-ci, on fait des petits montées-descendre. Si c'est trop difficile pour vos épaules, branche chandelier. Attention de ne pas pousser le ventre dans le sol. On tire toujours bien le ventre. On ne repousse pas le ventre dans le sol pour monter.
5 secondes. Hop. Et puis le gainage. Soit je pars là, soit j'ai remonté les fesses, comme vous voulez. Hop. Et je maintiens. Ok, si vous voulez, bien sûr, vous pouvez retendre les jambes. Il me reste 10 secondes. Hop, on se remet debout pour notre squat sauté. Hop, au sol. Pompage. Secondes. Debout. Fente alternée. Trois derrière. Au sol, Superman. Donc pour repartir, ici je suis détendue, je vais donc basculer mon bassin pour remonter. Ok, je peux rester comme ça sans souci. C'est bien allonger la colonne et on repousse très fort sur les bras. Plus 15 secondes. Si vous avez un petit coup d'eau, vous buvez vite un petit coup. Hop, avant de repartir dans notre squat. On va au sol pour les pompages.
10 secondes. Fente. Au sol, Spider-Man. Il nous restera encore un tour après, mais il ne nous reste plus que 4 bonnes minutes d'entraînement. Donc ça passe vite. Hein. Soit genou au sol, soit jambes tendues. Il nous reste 10 secondes. Dernier tour, on boit vite un petit coup. C'est parti donc, soit squat, soit je saute tous les trois. 2, 3, hop, 1, 2, 3, hop, on garde un bon rythme. C'est de sauter, il nous reste 5 secondes. Hop. Pompage, dernière série. Secondes. 5 secondes. Fente. Superman. Et notre dernier, le gainage. Attention.
façon de bien placer le bassin si vous démarrez comme ça. Hop, place, puis monte. Allez, plus que 10 secondes. Voilà, cet entraînement est terminé. On a pu caser notre petit entraînement dans notre journée super chargée. Félicitations, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve très vite pour une autre vidéo. Ciao.